Inconstance, repli, manque d'humilité, un départ fracassant, celui de Bruno Julliard. Il quitte son poste de premier adjoint à la mairie de Paris, critiquant les choix d'Anne Hidalgo, notamment sur les fiascos Vélib ou Autolib. Des critiques que rejette Yann Brossa, élu communiste adjoint au logement. Il y a des propos extrêmement violents qui sont tenus par Bruno Julliard. Je le regrette parce que je pense que notre majorité municipale n'avait vraiment pas besoin de propos pareils. Simplement, Bruno Julliard, depuis quelque temps, faisait entendre une petite musique qui était difficilement compatible avec la politique municipale menée par notre majorité. Donc il en tire les conséquences. Lui souhaite manifestement une alliance avec les macronistes et avec La République En Marche. Il a tenté de convaincre Anne Hidalgo sur cette question. Il n'y est pas arrivé. À mes yeux, tant mieux. Et en tout cas, il en tire les conséquences en partant. Yann Brossa, joint pour Europe 1 par Virginie Riva.